je peux pas oublier ce qui s'est passé. Parce qu'encore aujourd'hui, quand je reviens dans le bâtiment, c'est difficile, en fait. Curieusement, les gens ne peuvent pas comprendre. Mais il y a des moments encore, c'est difficile. Donc, c'est un combat perpétuel contre moi. Mais en fait, c'est un combat que j'ai depuis 20 mois pour essayer de montrer que même quand on a un traumatisme important, parce que ça reste un traumatisme important, et ça, je le dis à chaque fois parce que c'est important. Il y a des moments difficiles, mais je sais qu'on peut y arriver. Et c'est vraiment l'image que je veux donner. Parce que c'est quand même des moments difficiles. C'est pour ça que je suis très ému, parce que ça a été très difficile. J'étais encore à 1h du matin ici en train de décorer le bâtiment parce que pour moi c'était important que ce soit beau. C'était important qu'on... Le hasard et la folie de deux hommes ont fait que le 9 janvier 2015, je suis passé de l'anonymat à la une des journaux. Du statut de chef d'entreprise à celui de victime, victime du terrorisme. Je n'ai pas souhaité me retrouver sous les feux de l'actualité. Je n'ai pas voulu devenir un héros. Mais lorsque la vie bascule, il faut faire face et rester debout. Je voulais revenir pour justement montrer qu'il y avait un symbole de barbarie, là où il y a plusieurs mois s'était produit l'assaut de ces terroristes contre des forces de l'ordre qui venaient les appréhender, et puis qu'il puisse y avoir le symbole de ce que la volonté humaine est capable de faire. Et on voit bien que le terrorisme, il est partout, et que nous devons lutter, lutter avec la force, lorsque c'est nécessaire, je parle de la force armée, lutter aussi avec l'esprit, avec les idées, avec la culture, avec les arts, pour bien montrer ce qu'est le genre humain, et qu'il doit repousser la haine et l'intolérance. Voilà tous les messages que vous envoyez ici de cette imprimerie. Michel Catalano, au nom de la République française, nous faisons chevalier de la Légion d'honneur.